Good morning. Allez, Yidane, le Tusser aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Micha, Ben Masoud, Anachmen, Yosef, Ben Nachum, Avram, Chenor, Ben Fortuné, Mazalov, Ben Yudit, Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions, Maseret Amid, Perigbet, Mishnabet. Et Chelou, Ma'alin, Ba'efer, Al-Gabe, Atapouach. Le Tapouach, Haya, Ben Tsa, Mizbeach. Pamim, Alav, Kishlosh, Meot, Kor. Ba'regalim, La Yume, La Chinoto. Vipene, Chehou, Noi, La Mizbeach. Miyamav, Lonit, Atsel, La Kohen, Mileotsi, Et Adashen. Dans la Mishnah précédente, on a commencé à voir comment les Kohanim, après la Tourmat Hadeshen du premier Kohen, comment les Kohanim montaient sur le Mizbar pour refaire de l'ordre. Dans la Mishnah précédente, on avait vu qu'ils prenaient les membres des Olot et les différentes graisses des corbanotes de la veille qui étaient restées, qui n'avaient pas fini de brûler comme il fallait, on les mettait sur le côté. Comme ça, ensuite, on pouvait maintenant commencer à vider les cendres du Mizbar dans le but, en vue de la Mishnah Gimel, on apprendra qu'on a porté ensuite les nouvelles bûches. Mais pour le moment, donc, on a sorti tous les membres, c'est dans la Mishnah précédente, à présent on va commencer à ramasser toutes les cendres qu'il y a. Et la Mishnah me dit donc, « Echelou ma'alin ba'efer al-gabey atapouach » Il commençait à faire monter les cendres sur le tapouach. Alors tapouach, attention, il ne s'agit pas d'une pomme, mais ça vient du mot litfoach, une pâte qui monte, qui fermente. Pas tapin, et bien on s'appelle qu'elle est tofahat. Tapouach, c'est un tas comme ça qui ressemble à quelque chose qui gonfle. Et peut-être que la pomme, elle s'appelle tapouach, parce qu'elle même, elle a cette forme un petit peu comme ça, bien gonflée. En tout cas, donc on va appeler ça le tapouach, pourquoi le traduire. Et donc le Kohanim commençait à prendre les cendres qui étaient sur la Maracha Gdola, et on les mettait sur le grand bûcher, on les mettait sur le tapouach. Dans ce tas de cendres. Ouais, vous avez compris que là, on est avec une vue de haut du Beth Amikdash, tout ça c'est le Mizbeach. Maintenant, la Mishnah me dit, « Vetapouach aya be'emtsa Mizbeach » Ce tapouach, il était exactement au centre du Mizbeach. On avait déjà dit dans la Mishnah précédente qu'il y avait l'équivalent ici de 24 amas sur 24 amas, 12 mètres sur 12 mètres, c'était assez grand, je laisse imaginer. Il y avait un gros bûcher ici, il y avait un autre bûcher ici, et au milieu, il y avait donc ce tapouach. Et la Mishnah m'enseigne Pe'amim alav kishlosh meot kor. Parfois même il y avait tellement de cendres dessus que ça atteignait un volume de 300 corps. Alors 300 corps, pour vous faire une petite idée, un cours, ce qu'on appelle un bet cours à phare. Un cours, ça s'appelle. Un cours, c'est l'équivalent de 30 CA. Selon le rapport Escalav Goudo, vous rappelez, là, FACA Kavlot Beitza, et Goudo, c'est les coefficients. J'ai une solution plus simple. Que un shiur chala, c'est Asirit Haefa. Asirit Haefa, et l'Haefa, c'est 3 CA. Très rapidement, j'ai fait le calcul directement. Un kor, c'est l'équivalent de 10 fois le shiur de chala. Donc, si le shiur de chala, c'est plus ou moins 2 litres, alors ça va faire l'équivalent de 20 litres, fois 300, ça fait l'équivalent de 6000 litres. Imaginez un volume de 6000 litres, une baignoire, je crois que c'est l'équivalent de 300 litres, ben, vous mettez. Imaginez ce qu'on peut faire comme volume. Et la Gemara nous précise qu'en réalité, il n'y a jamais eu la place ici pour avoir 6000 litres de cendres. Mais c'est une gouzma. La Mishnah, elle a parlé un petit peu de manière plus large. Elle était marseillaise, comme on dit. Et donc, Pe'amim alav kishlosh meot kor. Parfois, ça atteignait même un volume de 300 corps. Au Barigalim, maintenant la Mishnah me dit quelque chose de super, c'est qu'au Barigalim, pendant la période de fête, L'Ohio Medashni Noto. Sachez que le tapouach, on ne le vidait pas. Je m'explique. Le tapouach, a priori, on le remplissait avec les cendres au fur et à mesure. Il y avait un moment où ça prenait un volume un peu trop dérangeant. Ouais. Donc du coup, il fallait vider les cendres qui étaient là, comme ce qu'on va découvrir dans la fin de la Mishnah. Pendant les régalim, on veillait à ne pas vider. C'était là tout le kavod où il y avait tout le Ham Israël qui montait à Yerushalayim. On faisait plein de corbanot tous les jours. Plus ça donnait de l'ambiance que on se fait des. La table du roi, elle est toujours bien pleine. Et plus ça donnait de l'honneur aux fêtes et à Hachem surtout. Et donc du coup, on ne le vidait pas pendant les régalim. Mais Peneshu Noï la Mizbeach, parce que c'est là la splendeur, la beauté du Mizbeach. Et la Mishnah continue à me raconter maintenant. Miyamav lonit atzel a kohen melotzi at adashen. Sache que, depuis toujours, les Kohanim n'ont jamais eu la flemme de vider le Deshen. Le Deshen, c'est donc les cendres. Je m'explique.
Lorsque le tapoir devenait trop plein, alors il fallait le vider. Où on le vidait? Il nous rapporte ici le Tiferet Israël, ce sera expliqué plus loin dans le Perek Hei, Mishnah Hei. Il nous rapporte que, je ne l'ai plus ici, mais c'est pas grave, je l'ai lu avant. Ah, que le déchaîne, il y avait un endroit, non, je ne le retrouve plus, voilà, c'est ici. Kshirabe, Sham, Moridim, Oto, Motsin, Oto, Akonim, Achrim, Misham, Lemakom, Tsanoa, Benaki, Shechus, Lahir. Il fallait sortir en dehors de la ville. On sortait donc du Mizbeach, on sortait du Harabait, et on partait en dehors de la ville, il y avait un endroit là-bas où on réunissait toutes les cendres. Et c'est un travail assez salissant. Les Havdil, c'est un peu comme descendre les poubelles. Des grosses poubelles. Et la Mishnah justement vient me dire, sache que même si c'est apparemment un travail apparemment rabaissant, sache que jamais les Kohanim n'ont montré un quelconque refus de faire ce travail-là, même si c'est un travail apparemment salissant, parce qu'au contraire, les Kohanim étaient tellement zélés pour la voda du Beth Amikdash, que c'était là toute leur fierté, même de prendre ce qui pouvait paraître un petit peu rabaissant, il n'y avait rien de rabaissant, c'était là toute leur fierté, comme quelqu'un qui va, je connaissais quelqu'un qui nettoyait les bêtes, une bête à Knesset, ils en parlaient à ça, et il partait, il nettoyait les bêtes à Knesset, mais avec un cœur, et avec un il faisait ça de manière tellement, on sentait qu'il était là en train de nettoyer la maison du roi, comme d'ailleurs, il y a une histoire qui raconte, je ne sais plus c'était avec qui que ça s'était produit, quelqu'un qui avait fait, si on étudie un certain nombre de nuits, d'affilée et tout ça, on a le Eliyahu Navi qui se dévoile. Quelqu'un qui avait fait cette zgoula, Eliyahu Navi, il y avait trois personnes, deux ont lâché en route, et le troisième, il a tenu jusqu'au bout. Lorsqu'ils sont venus le lendemain matin à la Beth Knesset pour voir qu'est-ce qu'il faisait, ils ont qu'il nettoyait le parterre avec sa barbe. Mais qu'est-ce que tu fais? Eliyahu Navi, il est venu, et il m'a montré c'est quoi l'importance de la Beth Knesset. Et c'est tellement grand et gigantesque que je veux même la nettoyer, même avec sa barbe, il nettoyait le parterre. D'accord, c'est un peu le même principe. La Mishnah vient et me dit, sache que c'était là toute la fierté des Kohanim, au contraire, de prendre même les travaux qui étaient plus ou moins salissants, rabaissants, c'est là toute leur fierté. Et jamais les Kohanim n'ont montré une patte lourde pour pouvoir faire cette avodala de sortir avec, comme ce qu'on apprendra plus loin, avec les grosses caisses de cendres pour les sortir à l'extérieur, ils le faisaient. Alors, mais quel est l'intérêt maintenant de nous raconter ça à la fin de la Mishnah? Le but, il est de me dire, sache que pendant les régalim, lorsque les Kohanim ne redescendaient pas les cendres du tapoir, c'était pas une question que c'était rabaissant de faire ça devant leurs frères, qui vont voir comment ils descendent les poubelles du Mizbeach, pas du tout. Ils n'avaient aucun problème de le faire, mais c'était juste que c'était là le Noy Mizbeach, qu'on voit le nombre de Bnei Israël qui étaient venus et la quantité gigantesque de cendres qu'il y avait des korbanot faits par le Ham Israël. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.